Malgré la houle et les risques de collision avec les autres navires, les coquilles commencent à s'empiler sur le pont. Pour Marc, c'est de bon augure. En ce jour de décembre, la baie de Saint-Brieuc connaît des températures en dessous de zéro. En pleine action, les marins n'ont pas vraiment le temps de se refroidir, mais ils redoutent ce vent glacial qui tue les coquilles une fois remontées à bord. Le premier trait est super. Super bon trait. Pour être un bon pêcheur de coquilles, faut avoir la hargne, il faut suivre, il faut être vaillant, il faut être vachement concentré, le punch, la wash, le problème c'est que là il y a du monde aujourd'hui, c'est un peu le bordel. Je peux pas tourner comme je veux. À quelques encablures de là, le froid et la fatigue commencent à se faire sentir sur la Rose de Jéricho. Si tu veux réchauffer tes mains quand t'as froid, tu mets tes mains sur ton échappement, c'est de l'eau chaude.